sous forme d'une cassette audio, qui nous explique un peu le Oui. contexte de la mission, ce qu'il faut faire. People say this guy's responsible for annihilating the Mujahideen at Kismasi Laman, the Hamid fighters, overnight. He's in town Bon, je with découvre les Syrian images. underestimate him. The order from my client in the Pour la warehouse première is fois de shoot mon on côté. sight. They want him out of the picture for good. Sorry, Ouh, ouh. Alors, premier point, là où moi j'ai été bluffé, enfin bluffé. Pas bluffé, mais plutôt bien bien surpris, c'est que le jeu tourne vraiment à 60 FPS constant. Enfin, en tout cas pour l'instant, j'ai joué 2-3 heures, j'ai pas eu une seule baisse de framerate. Et en plus, le Ouais. jeu est quand même magnifique. Donc, plutôt un très bon point là-dessus. Tant mieux. Comme quoi le Fox Engine, il marche bien. Hein. Ouais. C'est dommage que Konami ne l'utilisera peut-être plus après, mais bon. C'est Bah, ils comme vont ça, encore hein. l'utiliser pour PES, quoi, du coup. Oui, la seule licence qui leur reste sur console. Oh oui, bah oui. Ouais, Oh, désolé, j'ai un peu trollé, je hein. pense qu'on aura Bah, d'autres Metal Gear. Ouais, Oui, voilà. mais il y aura pas le maître. Voilà. C'est sûr. Alors, moi que je découvre le menu en même temps que vous, hein, j'ai jamais fait, donc là je vois qu'on peut équiper un peu comme dans de Peace Walker. Alors, par exemple, est-ce que tu peux me dire comment on change de costume, par exemple, ou c'est pas maintenant? Comment ça se passe? Si, normalement, j'ai peut-être avoir remarqué. Alors attends, je me rappelle, essaye d'aller dans outils ou objets. Non, outils plutôt. Ouais, vu qu'il y a un décalage, en plus c'est pas facile. Salut Zikabs. Ouais. C'est Cabs, Mince, c'était pas ça. De toute façon, tu vas pouvoir le faire sur le champ de bataille directement, d'accord, mais là où et bah. t'en es, je pense pas que t'aies d'autres D'accord, tenues, parce que faut que tu les débloques en fait. Enfin, faut que tu les construises, comme tes bah j'en armes. ai déjà fabriqué quelques-unes, hein. Ah bon? Ouais. Bon après Alors, je bah pense que du c'est par rapport au coup, bonus du... va dans sélection du personnage. Ah voilà, merci. Uniforme, Si tu vas tigré. sur Big Boss, normalement c'est bon quoi. Voilà, c'est ça. Alors là, moi je vous avoue les enfants, vu que je n'ai pas encore touché au jeu, je ne comprends pas de quoi il parle, hein. Voilà, ça va être un peu compliqué pour moi, mais on va Ah, y du coup, en arriver. fait, Oui! c'est le même principe que dans MGS3, en fait, t'as des tenues différentes qui vont te donner des Ouais, c'est compétences CRPG différentes, quoi. quoi, Voilà. bon, Par allez. exemple, t'as une tenue qui va effacer les bruits de pas pour être en infiltration, etc., quoi. Alors, le H nous pose une question. Le bras bionics, il sert à quelque chose. Oui. J'ai envie de te dire là, comme ça, sans avoir joué au jeu, que j'ai pas envie de te dire si oui ou non. Après LSK, toi qui as fait le jeu, peut-être que tu peux lui répondre, mais j'ai un peu peur du Ouais. spoil. Donc, Non, bon. non, non, on va au moins, de toute façon, je crois que j'en parle dans mon test, on va au moins dire une des compétences les plus connues. Du coup, en fait, dans les autres Metal Gear, on pouvait attirer l'ennemi en tapant sur les murs. Et en fait, il n'y a plus ça dans MGS5. Là, en fait, donc vous ouvrez votre menu contextuel avec L1 et vous faites appel. Donc ça va, en fait, c'est pour attirer l'attention des gardes. Et ça fait, vous faites du D'accord, bruit ok. avec votre bras, en fait, plutôt que taper sur Ouais. le mur. Y a rien eu Voilà, mais on... d'autre, y a pas d'autre Si, truc si, si, quoi. mais on va laisser la découverte. Mais il y a d'autres Ouais, trucs. voilà. Il fait lance-roquette. Donc j'avais pas tort sur le spoil. Donc en tout cas, oui, donc il sert à attirer les gardes, voilà, hein, comme un Voilà. peu un poster Ça, de c'est la femme à poil, fonction. quoi, hein, on va dire ça comme Voilà. ça. Et bon, voilà. La fonction Ah, c'est basique. vrai. Quitte à faire un Twitch sur Metal Gear, autant qu'on parle des femmes à poil aussi sur les posters, parce que c'est intéressant et c'est important, parce que c'est un truc C'est vrai. complètement récurrent dans la série. Donc voilà, alors donc on commence en Nikota, ça me rappelle Rainbow Six. Un peu. C'est un peu ça, ouais. C'est marrant, hein.
Alors du coup, ouais, on voit le générique dont je parlais dans mon test, et c'est ce qui pose problème parce que ça spoil en fait les personnages qui sont dans l'épisode. C'est les fameuses vidéos que tu vois à chaque intro et à chaque outro en fait voilà. Des trucs que tu fais quoi, ouais. Voilà. Ouais, y en a qui s'en plaignent un peu de ça, ouais. Ça se comprend hein, en même temps. Bah ouais, c'est embêtant. Ouais. Mais bon, si vous vous focalisez sur les sous-titres, ou au pire vous tournez les regards pendant ça. Bonsoir Violent77, et oui, nous sommes les mêmes mecs que le site jeuxvideolive.com. Salut, bienvenue. Ouais, alors, allez. Un commandant Spetsnaz a-t-il vraiment participé au jeu? Alors ça, c'est LSK qui va peut-être pouvoir répondre. Alors ça, je sais pas, mais c'est fort possible, parce que sur les autres Metal Gear, Kojima s'entraînait avec vraiment des mecs de l'armée. Ouais, des commandos, etc. quoi. Tester les flingues et tout, donc... oui, pour être un peu français, on dira qu'il aurait pu s'entraîner avec le GIPN ou le GIGN, quoi, sans problème, quoi. Ouais. Voilà, mais il a fait ça pour chaque jeu, donc oui, je pense que là, il l'a refait aussi pour les scores. Ouais, faut savoir que dans l'équipe de développement, il y a monsieur Moto Sada Mori, qui est un conseiller militaire, justement, qui gère tout ce qui est motion capture, au niveau des déplacements des soldats, de comment tenir les armes et tout, et donc. Ouais. En plus de ça, Shinkawa a vraiment tenu à, donc, le directeur créatif. De Kojima Production, il a vraiment tenu à faire que les armes soient le plus réalistes possible, donc il s'est vraiment attardé sur des détails entre guillemets à la con, mais qui poussent encore plus le délire et puis le travail de recherche derrière. Alors je salue soit le tigre qui va nous rejoindre et Spike 78000 aussi qui nous rejoint aussi. Voilà, bienvenue à vous, merci de nous suivre. Alors, je vais le répéter, hein, je vais le dire plusieurs fois dans la soirée, hein, je vous le dis tout de suite. On va faire un truc garanti, no spoil. Hein, voilà, on vous fait juste un peu découvrir. Bah, alors, ceux qui sont habitués à Grand Zeroes, je pense, enfin, en tout cas, Ren et LSK, vous n'allez pas me contredire, je pense, vont s'y retrouver dans le sens où c'est un peu le même type de gameplay. Maintenant, sur ce qui se passe... dans le jeu, on vous dira rien parce que c'est important que vous le découvriez par vous-même. Et je remercie Violence par rapport à ce qu'il est en train de nous dire que il faut qu'on continue comme ça. C'est super gentil de ta part. Merci beaucoup et voilà. Alors après, je sais pas si t'es déjà, enfin si t'es membre chez nous, hein, mais en tout cas, c'est super gentil. Donc on a toujours le fameux Freeze. Freeze. Voilà. Qui marche toujours, ouais, je l'ai fait à la française, ah ça va. Non, c'était pas pour me moquer, hein. C'était j'aime bien. Ah, c'est sympa, Swat, hein. C'est cool, super gentil ça. Swat en fait nous explique qu'il a suspendu une mission sur le jeu pour pouvoir nous suivre, donc c'est très sympa de sa part, c'est clair. Alors, Spike qui nous demande comment il fait pour tourner à terre, donc je suppose que c'est la roulade. Ah, la roulade, bah en fait, bah c'est comme dans Ground Zeroes, donc je sais pas s'il avait testé, mais en gros tu te mets allongé comme ça. Tu te mets en mode de visée, et en fait t'appuies sur le stick gauche, et tu vas dans une direction. Voilà. Donc L3, voilà, hein, c'est ça. Gauche et L3. Voilà. Parce que si tu prends le stick droit, ça marche moins bien, forcément. Merci beaucoup, Violence, ça fait plaisir. N'hésite pas à revenir, hein, surtout. J'ai un peu faire mon Julien Chiez. Venez sur Jeux Vidéo Live. On est bien. On est des gens gentils. Merci de RT. Merci de retweet le Twitch et tout. En tout cas, c'est vrai que les décors ont l'air quand même... Alors, ça fait désertique, hein, forcément. Je pense qu'il y a pas mal de phases qui doivent être un petit peu comme ça, mais... C'est l'Afghanistan. C'est pas non plus désert, quoi. Il y a des montagnes, il y a de l'herbe, il y a des choses comme ça. Bon, c'est. Alors, Spike, pour te répondre, alors vous en pensez quoi, les gars, de ce MGS? Moi, je peux pas dire parce que j'ai pas encore testé. Malheureusement, pour moi. LSK, donc notre rédacteur qui a fait le test, a mis 20 sur 20, donc ça veut un peu tout dire.
Voilà, ça se presse de commentaires, je pense. Maintenant, Rennes le découvre, hein. Il a quoi? T'as même pas 5 heures dessus, je crois, Rennes, Oh oui, j'ai hein. 2 heures, hein, à peine. Ouais, t'as 2 heures, donc voilà, donc il le découvre un petit peu en même temps que vous, en fait, hein, parce que c'est vraiment pour vous faire plaisir, hein, qu'on fait ça. Parce que Satyr et Canon, on vous le ferait pas parce qu'on n'a pas envie de se faire spoiler. Mais... non, je rigole. Mais voilà, donc bah Ren, toi qui es un peu plus novice dans le jeu, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Parce qu'après, bah faut lire le test d'Aleska, hein, il est présent sur le forum, donc voilà, Aleska, vous savez ce qu'il en pense, je pense, pour ceux qui l'ont lu. Après, ceux qui l'ont pas lu, bah, je vous invite à le lire. Mais Ren, du coup, bah oui, c'est à toi qu'on va poser la question, hein, ça me semble un peu plus évident. Alors, novice dans le jeu, mais fan de la saga, hein. Je tiens à Oui, préciser. dans l'épisode Oui, 5, non, hein, non. oui, évidemment, Oui, je... Oui. oui. Ben oui, bon, c'est vrai que pour le peu que j'ai joué, voilà, j'ai pris une claque dans la gueule parce que bon, graphiquement, c'est quand même très propre. Bon, il y a un peu de clipping, hein, mais bon, ça, c'est un open world, hein, c'est assez inhérent à ce genre de jeu. Et surtout, il tourne en 60 FPS constant. J'ai pas eu une seule baisse de framerate depuis que j'ai commencé. Le prologue, il met directement dans l'ambiance. On voit tout de suite que ça va être un jeu qui est pas, enfin, qui va traiter de thèmes très sérieux et très matures. Malgré son côté complètement humoristique, avec les Ouais. chèvres, les ballons. On retrouve un peu tout ce qui fait la patte de MGS, donc tout ce qui est un peu réaliste, un peu fantastique et un peu comique avec des situations assez cocasses. Ou des petits Ouais. gadgets assez marrants, bah, comme les cartons. Alors moi j'ai Après. une question qui me brûle les lèvres. Là, c'est peut-être Eleska qui pourra me répondre parce que toi, t'es peut-être pas av assez avancé dans le jeu, Ren. Est-ce qu'on va avoir droit à une scène où il y a un mec qui fait caca? Alors ça pourrait s'apparenter C'est à pas du du spoil, spoil. hein, c'est quelque chose de récurrent, donc bon, c'est pas du spoil, hein, à ce niveau-là, hein. Je pense pas en tout cas, mais. Non, disons qu'il y a. Enfin, après, on peut l'interpréter de différentes façons, mais il y a un clin d'œil que Rain a déjà dû voir, normalement. Mais je sais pas si c'est Ouais. par rapport au personnage dont tu parles. Moi, je l'ai pris peut-être pour ça, mais je sais pas si tu vois à quoi je fais référence, Rain. Non, pas du tout. Non, non. Alors, Spike nous pose une question très intéressante aussi, parce que c'est important, mine de rien, par rapport à la Mother Base. Quand tu as les mecs dans ta base avec ton ballon, faut-il prendre les mecs au hasard ou pas? Donc, en gros, est-ce que ça a une interaction sur le jeu de prendre un mec au hasard ou de prendre tel mec par rapport à un autre? Parce que du coup, je sais pas, ça va se construire plus vite, tu vas améliorer tes armes plus vite, tu vas créer des trucs plus vite. Ouais, bah en fait, du Je coup, pense que c'est la question, hein. t'as différents soldats avec différentes Hop là. maps pour Ouais. voir leur qualité dans chacun des secteurs, par exemple recherche et développement, unité de combat, équipe médicale, etc. quoi, les Ouais. plateformes de la Mother Base. Et donc, des fois, tu vas en trouver, par exemple, qui ont la note A+ en recherche et développement. Donc bah là, faudra le sultonner et puis le mettre dans recherche et développement parce que du coup, ça va te permettre de monter en niveau beaucoup plus rapidement et d'avoir plus de possibilités de créer des armes ou d'équipements, quoi. Mais après, tu peux quand même les sultonner à tout va parce que c'est illimité du moment que tu en demandes un ravitaillement de sulton. Et puis après, ils évoluent aussi tout seul, quoi. Donc voilà, on peut faire les deux. Ok. Bon bah je pense que la réponse était correcte, hein. On va dire ça. Alors, Jojo la patate, eh bien salut à toi. Donc un petit nouveau qui vient d'arriver avec nous. On a Bibi Pouy qui nous dit comme ça que c'est un jeu de noob. Je préfère largement un bon Call of. Au moins on s'ennuie pas. Ça se discute, c'est selon les points de vue. Ouais, on va dire que oui, bon, voilà. Il nous dit que... Il a le jeu depuis jeudi, il est à 20 heures de jeu, il a fait que 10%.
Attention, il y a de quoi faire, hein. Toi, Alaska, tu l'as testé, enfin, t'as été jusqu'au bout, t'as mis quoi, 60 heures? Et t'avais pas fait, Ouais, entre 50 et 60 heures, Oui, j'ai été 60 heures, oui, il a fait 60 heures, parce jusqu'au que, bout. apparemment, quand tu fais 40 heures, t'as pas vu la deuxième fin, et que t'es un journaliste de merde, d'après certains sites français qu'on nommera pas. Bon, voilà, quoi, hein. Et du coup, ouais, voilà, entre 50 et 60 heures en ayant fait toutes, enfin en ayant fait les missions de l'histoire, donc l'histoire principale, plus les missions secondaires importantes, qui ont un lien avec Oui, l'histoire. parce que effectivement, j'allais rebondir là-dessus parce que les missions secondaires, apparemment, les importantes, comme tu viens de le dire, comme tu viens de le préciser, ça aurait un impact sur l'histoire en fait. Enfin, Ouais, c'est lié, il y aura des événements qui sont liés à l'histoire, et en plus ça vous permet de débloquer d'autres missions du mode principal, d'histoire principale. ouais. Et est-ce que ça a un impact sur la Moserbaise aussi ou pas du tout? Dans quel sens? Bah quand tu fais certaines missions secondaires, est-ce que du coup ça renforce la Moserbaise? Est-ce que quand tu la loupes, t'es obligé de recommencer certaines choses ou je sais pas, hein, moi je connais Non, pas le non, jeu hein, donc bah tu peux pas les louper, par contre tu peux pas les refaire. Enfin moi j'ai pas pu les refaire du coup. ouais. Après un impact sur un Mother Base, bah pas forcément, à part si vous croisez des soldats vraiment avec un rang élevé dans certaines compétences, là oui pourquoi pas. Mais ça j'avouerai que je m'en souviens plus. Mais en tout Ok, cas alors sur il y le a. niveau histoire, c'est obligé de les faire. Ok. Il y a Swat qui nous dit un truc intéressant. Alors, moi je le sais. Alors, effectivement, on vous l'a pas montré. On a préféré commencer un petit peu après pour vous éviter le spoil. Qui nous dit comme ça que le contenu du jeu est juste énorme. La meilleure intro du jeu vidéo pour moi. Je l'ai pas encore vu donc je peux pas dire. Mais je sais que j'en ai lu un petit peu par rapport à ça. Et effectivement, l'intro a marqué beaucoup, 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 beaucoup de monde. Donc, bon, voilà. LSK, tu confirmes? Ah, Ren aussi, hein, totalement, d'ailleurs. Hein. ouais, franchement, il met des claques dans la gueule, quoi. Mmh. Bah, de toute Comme façon, beaucoup dans Montes. on retrouve tout le côté un peu, bah, mise en scène. Côté cinématographique Ouais, aussi, je suppose. voilà. Ouais. Donc, franchement, là-dessus, on est Ah, et d'accord, hein. vraiment, vraiment puissance mine, quoi. C'est incroyable, quoi. Parce que rien que les plans séquences et tout, c'est vraiment bluffant, quoi. Alors pour répondre à Cicabs, CMB, hein, Voilà, j'en voilà, étais parce que sûr. fallait que je le fasse quand même. C'était sûr. Mais c'est pour rigoler, hein, Cicabs, hein, tu me connais. Voilà, alors on a oui, alors oui, le multi, donc on en parle un petit peu, parce que Légionnaire Venom, que je salue au passage, nous demande s'il y a un multi sur le jeu, et donc Best Saiyan, que je salue aussi au passage, nous annonce que normalement c'est pour le 6 octobre. On confirme, hein? Ouais. Hein, voilà. Donc on espère qu'il sera aussi bon et aussi à la hauteur que ce qu'on a connu sur Metal Gear Solid 4, hein, je crois. Hein, il était très très bon, la Metal Gear Online, je crois, de souvenir. Il a beaucoup plu. Après, personnellement, j'ai préféré celui de Subsistance, mais question de goût, hein. Bah disons Mais qu'après en fait il a été un peu cheaté, quoi. C'est voilà, c'est je pense bon. aussi qu'avec le gameplay qui est beaucoup plus souple dans celui-là, Ouais. ce sera meilleur, Ouais. Ah ouais, je pense aussi. Mais du coup, par contre, pour les multi, vous avez quand même une composante, pardon, multijoueur dans le solo, le système de fob qui vous permet d'attaquer les Mother Base des autres joueurs. Ou de défendre la vôtre. ouais. Ça, je pense, c'est un truc Alors qui là, il y sert. a un truc intéressant que je viens de voir à l'écran. Il y a des choses à ramasser. Alors, enfin, Ren, je viens de voir que t'as ramassé les trucs. Je suis pas en plein écran, donc j'ai pas vu ce que t'avais ramassé. C'est quoi? C'est des munitions? C'est des infos? C'est quoi que tu ramasses en fait? Bon, on sait qu'il y a les fameuses cassettes, hein, comme dans Grand Zeroes, qui vont t'expliquer certains points de l'histoire, etc. Mais tu peux ramasser quoi en fait dans le jeu? Bon, je suppose que oui, tu dois te réapprovisionner sûrement en munitions, mais t'as d'autres trucs à ramasser ou? En fait, c'est des. Comment? Des matières premières pour crafter quoi. Tes armes, dans la Mother Base, t'as besoin de minéraux, de plantes
pour pouvoir développer bah, tout ce qui est accessoires, outils, gadgets. Mais là, pareil, comme je suis pas trop avancé dans le jeu, je peux pas trop me prononcer dessus, donc c'est plutôt LSK Ouais. Ouais, qui peut-être pourra mieux LSK, ouais, à la expliquer, rigueur, ouais. ouais. Dans ce Ouais, cas-là. c'est Qu'est-ce ça, que je peux là, collecter dans le jeu, en fait, hein? on peut ramasser donc des différents matériaux qui vont vous aider à améliorer la mother base ou à construire des équipements. Des diamants aussi, pareil, ça va être utile pour la mother base et pour les Ouais, le équipements. fameux Diamond Gold, ouais, forcément, Voilà. c'est la référence, hein. Je vais ramasser des cassettes audio pour avoir des musiques par exemple. Donc là, je sais pas si normalement Rain est en train d'entendre la chanson Kids in America. Enfin, je pense que c'est cette C'est chanson-là, celle-là. Ouais, de si Kim je me Wilde. trompe pas. Ouais, c'est Ouais, celle-là, voilà. ouais. Et donc voilà, vous pouvez faire des missions en écoutant ce titre-là ou la musique de Wagner qu'on Ouais, avait vu Spike dans confirme hein, Shippuden. d'ailleurs hein, sur le chat, il dit que tu peux récupérer les musiques et jouer au jeu en les écoutant hein, donc Voilà. Voilà. il confirme complètement. Il y a Best Ocean qui nous dit que ce sont des ressources PMI, c'est comme dans Peace Walker. Ouais. Je suppose que ça peut être pratique. Et j'ai lu. Alors attends, il faut que je remonte. Si je peux. Ce qui va pas être facile. Je ne peux plus remonter, mais j'ai vu un truc comme quoi. Oui, alors. Metal Gear Solid 5, ça je me rappelle de la question. Metal Gear Solid 5, est-ce qu'on peut y jouer si on en a fait aucun autre? Non. Un non catégorique. J'ai concentré un peu la question, mais c'était un peu ce que ça voulait dire. Je pense pareil, hein, très honnêtement. Il faut. En plus, il faut avoir fait certains épisodes. Il y en a d'autres, à la rigueur, ils sont dispensables. Mais voilà. Salut, Madomi! Mais Ah, voilà ça quoi, pue. je pense que certains sont complètement dispensables. Hein. Enfin, surtout ce qui s'est passé après. Mais il y a. LSK, si je me trompe pas. Bah, Il y a pas Metal Gear forcément en Solid fait. 3 à faire, obligé. Ouais, Peace Walker ça va à faire. faire, obligé. Ouais. Bon, là. Andy Rose, Après du les coup. autres, bon, à voir quoi. Bah, je peux pas trop en dire pour les autres, mais non, vaut mieux quand même les avoir fait. Hein, parce que sinon, tu vas passer à côté de trucs, quoi. Oui, quoi qu'il Donc, arrive. ah Ouais. ouais. Non, de toute façon, vraiment, c'est pas une saga que je conseille si vous avez pas fait plus de plus, quoi. Parce que vous allez être complètement perdu. Mais est-ce que les gens peuvent s'amuser dessus ou pas? Ah bah oui, parce que après Dans le ce cas-là, je gameplay. veux dire, dans le cas où ils ont pas fait les autres, hein. Ouais, après s'ils attachent pas beaucoup d'importance à l'histoire niveau gameplay, ouais, je pense qu'ils vont prendre beaucoup de plaisir, c'est bien vu quoi pour l'instant. Ouais, niveau gameplay, ouais. Mais Ouais. bon, Metal Gear, c'est pas que le gameplay, donc Disons c'est qu'en ça fait qui est voilà, en compliqué. fait bon, on va résumer très simplement, c'est-à-dire que vous pouvez vous amuser sur le jeu, mais entre guillemets, c'est pas péjoratif, c'est pas que vous êtes pas intelligent ou quoi que ce soit, mais si vous avez pas fait les anciens, vous allez rien comprendre. Voilà, on va être simple. Voilà, c'est pas contre vous que je dis, très honnêtement. Mais voilà quoi, c'est tellement grand, c'est tellement gros, il y a tellement de trucs, il y a tellement de choses, il y a tellement de personnages, de quiproquos, de twists, etc. que si vous n'avez pas fait certains épisodes, vous ne pourrez pas comprendre l'histoire, c'est obligé. Donc voilà. Alors une question intéressante de H qui nous demande si il y a du sang dans le jeu. Oui. On a même sur Big Boss en fait à chaque fois qu'il reçoit des coups peut-être rempli de sang au fur et à mesure. Et pour l'enlever, il faudra prendre une petite douche sur votre Mother Base. Qui remontera Bon, en même votre temps, morale et votre ouais. capacité au combat. En même temps, j'ai un peu envie de dire que c'est un jeu japonais. Donc, si c'est comme leur film de cul, il n'y a pas de sang parce que dans les films de cul, il y a du mosaïque. Donc voilà. Mais c'était la vague du soir. Bonsoir. non, mais bon, voilà quoi. Non, après, non, bah c'était pas peut-être un truc qu'ils ont pas pensé. Peut-être que bon, ils ont pas voulu le faire non plus quoi. Hein. Voilà, après c'est pas non plus. Ah, c'est pour tir à bout portant, oui, que la question a été posée.
Ouais, mais il a peut-être tiré avec des fléchettes tranquillisantes. J'avais pas vu ce passage-là, donc. Ouais, je ne joue que tranquillisant. Ah, t'as été au Voilà, donc tranquillisant? Bah voilà. voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de sang, c'est parce que c'est tranquillisant. Ah ouais, Domi, ouais. Ouais. C'est l'ESCA qu'on entend un peu moins bien. Il va falloir qu'on voit pour régler son Ah casque. Ça, c'est le problème des casques qui sont trop futuristes. oui, tout à fait. Ouais. Alors, Pestayan précise hein, justement qu'il faut commencer à jouer à Peace Walker. Donc, sous-entendu, faites pas Metal Gear Solid 5 si vous n'avez pas fait Peace Walker. Voilà. Alors, on va avoir une fameuse scène qui peut déranger certains, ce que je peux comprendre. En tout cas, ce que j'en ai compris, en tout cas. Voilà, vous rejoignez votre hélico et il va y avoir un petit. Eh oui, Domi, eh oui. De toute façon, Sika, ça va te le dire, hein. Le mieux, c'est le PX26. Hein. Alors là, du coup, c'est vrai que là, me Ou dire 23, je maintenant, sais plus. j'ai mis Elle va ma confirmer. baguette, dire si c'est mieux ou pas. Vous entendez mieux? Et à chaque fois, donc, t'as droit à ça. T'as droit à un générique de fin, etc., etc. Ouais, c'était un peu comme une série télévisée, on a une introduction, un générique de fin avec enfin, les acteurs, les protagonistes entre guillemets. Et Ouais, je comprends puis mieux ce que voilà j'ai lu. quoi. C'est à la Je mode comprends en mieux ce ce que moment j'ai de toute lu façon. sur le monde, On en voit de plus ouais, en parce que plus. le monde, en Hein. fait, le monde a PX22. Merci Cicabs, PX22. Le monde disait que effectivement, il y avait un côté entre guillemets, jusqu'à maintenant, les MGS étaient très cinématographiques et que là, il avait attaqué un petit peu le côté série. Je comprends mieux maintenant ce qu'ils ont voulu dire par là. Je comprends mieux. D'ailleurs, je vous invite à lire parce que c'est très intéressant. Pas que celui-là, hein, le nôtre surtout, hein. Celui de jeux vidéo live est super beau en test, mais celui du monde, j'ai trouvé pas mal, quoi. Voilà. C'est toujours intéressant d'avoir plusieurs sons de cloche, comme on dit. Mais voilà. Bah, merci Sayan, hein. Ça fait plaisir d'avoir des petits commentaires comme Ouais. ça qui sont sympas. Ah, mais c'est clair que tu gères, hein. Bon, après, je suis un Oui, peu des fois, de toute façon, déçu. avec LSK, on se retrouve un peu tout seul parce qu'on se dit, bon, on va laisser jouer et tout. Fait son truc dans son coin, Voilà, aucune le question à poser. Voilà. gars. Alors, ça, c'est quoi cet écran là? Vimos, descendre, etc. C'est quoi? Ça, c'est les épisodes que t'as passé, ça, non? Ou. Non, ça c'est les recrues en Ah, fait. c'est l'équipe R&D, d'accord. C'est bon, je viens de Voilà. voir. Et donc là, je dois les assigner à différents secteurs, pardon. Donc, je pense que suivant le classement, enfin, dans Peace Walker, c'était un peu plus simple, c'était une jauge, donc tu voyais tout de suite dans quelle spécialité tu pouvais les mettre. Mais là, c'est vrai que J'ai vu, ouais, j'ai vu qu'apparemment c'était un peu compliqué, ouais, à ce niveau-là. Ah La bah ça. gestion était un peu, je pense qu'ils ont voulu faire un peu trop exhaustif, quoi, et que du coup, ça paraît un peu, si t'as pas bac plus 5, tu comprends pas, quoi. C'est un peu le délire du truc, quoi. Alors, j'ai une question intéressante aussi. Qu'est-ce qu'apporte ce Metal Gear par rapport aux autres? Open world. Voilà. Le côté open world, un gameplay plus souple. Une meilleure qualité technique, que ce soit graphiquement ou sur la fluidité, et surtout pas une conclusion, mais on va dire un segment important dans la chronologie historique de la saga, qui permet de faire le Ouais. lien justement entre les événements de 1964, donc qui se déroulaient durant Snake Eater, donc MGS3. Et Metal Gear premier du nom, dont les événements se passent en 1995, si je Ah, dis pas c'est de bêtises. 95? Metal Ouais. Gear, hein, pas Metal Gear Solid, hein, vraiment, Ouais, à justement, l'époque c'est pour ça que où... Metal Gear c'était plus 86 ou 88, moi. Donc, Et, c'est pour ça que. il est sorti, le jeu est sorti en 87,
Et l'histoire se passe en 95. Ah Todd, Voilà. ce troll. Je t'aime plus, je te banne demain pour la peine. Donc ouais, donc ouais, bon. Qu'est-ce que alors j'ai noté que certains tests disaient que que bizarrement, voire presque curieusement d'ailleurs, le scénario était un peu en retrait sur cet épisode par rapport aux autres. Bah je peux pas, je peux pas me prononcer là-dessus, il y a que LSK qui pourra Ouais, l'escape qui pourra peut nous le dire, ouais, je pense, ouais. Alors déjà, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous on m'entendez t'entend bien mais là? très loin. Ouais, on t'entend vachement loin là. D'accord, bon, bah, je vais remettre l'autre casque alors. On t'entend toujours aussi loin. Donc là je montre un peu le menu donc de développement des armes et on peut voir que c'est quand même assez poussé avec des niveaux donc Plus on veut, par exemple, bah là je vais reprendre parce que moi je suis un fétichiste du pistolet tranquillisant, donc là je l'ai au niveau niveau 1. Et Ouais. si je veux l'améliorer par exemple au niveau 2, donc on va dire que qu'il va améliorer enfin les dégâts ou la portée, tout ça, et ben il me faut beaucoup beaucoup plus de ressources. Et un niveau de RD en fait supérieur, parce que là actuellement je suis niveau 5, il va me falloir une équipe de Ouais. recherche et développement en RD, recherche et développement de niveau 7, et Alors etc. Plus on veut monter, voilà. les niveaux, je suppose que c'est par rapport aux missions que tu fais, etc., que tu grimpes, hein, entre guillemets, hein. Et bah c'est plus Je tu pense recrutes que. du monde en fait, donc quand tu recrutes des soldats, on va dire un peu Ah, c'est complètement d'élite. par rapport à la Mother Base, en fait. D'accord, Ouais, ok. c'est Je ça, pensais que c'est tu gagnais des points, moi, en faisant les missions ou les trucs comme ça, en fait. Alors les points, Donc. enfin, les missions vont te donner les points PIM, donc on va dire c'est l'espèce de monnaie entre guillemets qui te permet de financer Ouais. le développement. Mais par contre, pour pouvoir accéder à la réalisation de ton objet, il faut un certain niveau. Enfin, faut que tes hommes aient un certain niveau. Enfin, plutôt ta spécialité en fait. Donc là, par exemple, la recherche et développement doit avoir un niveau 7. Ouais. Et donc pour ça, il faut que tu mettes des hommes qualifiés D'accord. dans cette spécialité. C'est là que tu augmentes tes trucs. Alors attends, alors au niveau de la Mother Base, est-ce que hormis les armes, est-ce que tu peux améliorer d'autres choses encore? Alors tu peux améliorer un peu tout ce qui est objet, donc les cartons, tout ce qui est un peu leurre. Tout à l'heure j'ai regardé, je sais plus trop c'est dans quel menu, mais t'as un leurre en fait, c'est une mine que tu poses, ah, c'est là. Et en fait ça te fait un bonhomme gonflable. Ouais, ok. Donc ça te fait une espèce de soldat gonflable qui, bah là par exemple niveau 3, va avoir un haut-parleur et donc qui permet de faire diversion vis-à-vis des soldats ennemis quoi. D'accord, ouais. Alors j'ai une réflexion plutôt qu'une question de Maximus33000, que je salue au passage, qui nous dit: on a perdu l'esprit Metal Gear. Alors oui, non, et pourquoi? Perdu l'esprit Metal Gear, je sais pas, je dirais plutôt que c'est une évolution logique, parce que de toute façon la série elle a toujours innové, que ce soit par exemple je prends on va dire MGS1, ça a été les cinématiques en 3D, enfin en temps réel, avec l'ajout de polygones en 3D, avec le quatrième mur hein, qui a été franchi, ben, on repense notamment à l'affrontement contre Psycho Mantis, Ouais. ou à, bah, la fameuse fréquence codec à chercher sur le boîtier du jeu. MGS2, on va dire que ça a été un scénario, plus au niveau du scénario, qui a fait quand même, enfin qui est en avance sur son temps, et avec aussi un gameplay un peu plus souple. MGS3, Ouais. on a eu cet aspect un peu survie, où il fallait chasser pour manger, soigner ses Oui. propres blessures, le camouflage. Dans le Ouais. 4, on a eu un peu tout ce qui était environnement évolutif, avec les Oui, tempêtes, c'est avec vrai, ouais. voilà. Et Peace Walker, bah, on a eu un peu la gestion de la Mother Base. Et en fait, voilà, donc celui-là, ce qu'il apporte en plus, il reprend un peu tout ça. Et en plus, on ajoute le côté un peu plus open world. Vraiment, tu choisis comment infiltrer tel ou tel bâtiment. C'est vraiment toi qui gères ton équipement, qui gère ton arrivée, qui gère ton extraction. Donc c'est vraiment en fait voilà, le jeu ne te tient pas par la main. Donc, au début t'es un peu guidé, ce qui est normal parce qu'il faut bien un Ouais, tutoriel c'est quand même. logique, ouais. Ouais. Mais après c'est vraiment que tu gères comme tu veux quoi. Donc si tu veux te la jouer Rambo, tu vas au lance-roquettes, à la mitrailleuse lourde, y a pas de souci.
Et si tu veux y aller Et puis bah, je en vais full complètement en furtif, migration à côté quoi. Ouais. voilà. C'est vraiment, en fait, le gameplay, pour reprendre ce que disait un membre, je crois que ça va être Hound Fox, donc je le salue, hein, si jamais il passe par là, et qui disait, en fait, le gameplay, il est ce que t'en fais, quoi. Oui, c'est ça, ouais, je me souviens très bien avoir lu ça, ouais. Alors, j'ai plein de questions pour toi. Abracadabra, Neko Domi nous dit que son chéri ne trouve pas où on suit l'évolution du perso, donc Big Boss. Il n'a pas réussi à trouver dans les menus, apparemment, donc ça prouve que ça va être un petit peu compliqué quand même au départ. Donc, si tu pouvais nous donner la soluce, entre guillemets, comment on fait pour trouver l'évolution de son personnage? Alors, je ne comprends pas la question. Comme ça, c'est réglé. Bah, je te l'ai répété comme elle l'a écrite, hein. L'évolution Donc. du personnage, va falloir préciser parce que je vois pas. Donc, Alors, je comprends pas. Domi, on y reviendra si tu peux préciser. Je te promets qu'on y revient après. H1664 qui nous pose la question suivante. Que penses-tu de l'intelligence artificielle? Alors, elle est toujours aussi pas débile entre guillemets, mais bon, on va dire c'est toujours un peu ce côté Metal Gear où voilà, tu peux te faufiler assez facilement dans le dos des ennemis. Voilà, le mec qui va voir son pote qui dort. Bon après, je pense qu'on va aussi retrouver tout ce qui fait le sel de la série, donc les avec les petites diversions, avec les petits magazines un peu coquins, un peu ce côté un peu manga, un peu Nicky Larson là, ou avec les cœurs. Mais d'un autre côté, le jeu est un peu plus difficile dans le sens où ben t'as pas de radar, les ennemis te voient de très loin, Ouais. et apparemment il y a une IA évolutive, donc c'est-à-dire que si t'as l'habitude de, par exemple dans toutes tes missions, de faire que des headshots, et ben au fur et à mesure du temps, en fait les ennemis vont se passer le mot et ils s'équiperont de casques. Ce qui te forcera à adopter une autre stratégie d'approche. Donc D'accord, ouais. à Ok. Paris, Donc il faut jongler voilà. avec l'IA en fait, hein, quelque part, hein. Voilà, c'est ça. Donc je pense que c'est plus LSK qui peut se. Bah tiens, je vais aller faire un tour à la Mother Base, je vais montrer un peu. Ouais. Ah bah oui, justement, parce que comme c'est un peu plus calme, on va pouvoir répondre un peu aux questions. Est-il bien de faire une assignation auto, pardon, pour t'équiper ou pas? Alors, je pense pour la Mother Base, hein, je pense que la question doit être ça. Alors en fait, Ouais. je pense qu'au début, ouais, c'est pas mal parce que bon, ça c'est juste de te prendre la tête. Mais bon, faut Ouais. savoir que t'as un nombre quand même limité de. Par exemple, je crois qu'en RD, tu peux mettre que 30 personnes. Après, si tu veux en mettre plus, faut vraiment que t'agrandisses ta base. Et donc après, bah, t'es amené à faire des choix. Donc, c'est où tu licencies. Bon, après je me base sur Peace Walker, hein. C'était comme ça, je pense que celui-là ça va être pareil. Tu licencies, donc ça te force plus à vraiment à te pencher sur le côté spécialité des gus et leur classement pour on va dire que par exemple un personnage de niveau D sera beaucoup moins performant qu'un personnage de niveau A. Ce qui est logique, Ouais. hein, si tu reprends un peu le système de classement à l'américaine. Hein, parce que chez nous on met des 20 sur 20, mais chez eux ils mettent des S, voilà, donc Oui. alors. Maximus nous dit que en fait, ce qui se passe, c'est que le côté open world dérange parce que MGS égale film. Donc c'est pour ça qu'il disait que on avait perdu l'esprit MGS, etc., etc., quoi. Après, je pense que sur les missions, du moins les missions scénarisées qui permettent d'avancer dans l'histoire, on retrouve toujours ce côté mise en scène propre à la série, hein. Moi, je vois la Ouais. mission précédente, donc la mission, enfin la toute première en fait, celle qui suit le prologue. Bon, sans spoiler, t'as quand même sur la fin une petite cinématique qui te met bien dans l'ambiance Metal Gear. Donc, je pense qu'on trouve ça tout le long du jeu, mais bon, encore une fois, y a que LSK qui peut confirmer, vu C'est que marrant c'est le parce que seul de la la Mother rédac à Base, avoir donc tu été vois. au fond.
Ouais, Au bout, alors ça me pardon. fait marrer parce que toi, la Mother Base, ça me fait penser à Metal Gear Solid 2, moi. Mais Le pire, vite ouais, fait comme ça. ça, furtivement, tu vois, hein, Ah, je mais la c'est vrai. découvre là, hein, parce que j'avais pas vu, hein, donc. Ah, mais c'est vrai. Surtout que dis-toi qu'à la base, elle est orange, hein. Pareil comme la Big Shell. Et là, moi, j'ai décidé de la Et peindre ouais, non en mais noir. c'est pour ça que c'est marrant quoi, enfin voilà. Mais non franchement oui ça me fait vraiment des gros souvenirs là. Mais sacré Kojima. Alors classe canis, non ce n'est pas jeuxvideo.com, c'est jeuxvideolive.com. Donc jeux vidéo tiré comme l'a très bien dit Cicab. Live.com, Cicab. Cicab. Cicab ça. Évidemment. Et salut Christ, que j'ai croisé vite fait. Omerta, pareil. Salut Omerta du Christ, 38, salut. salut Omerta. Donc Donc là, là, vous je crois voyez, qu'on... en fait, votre base, quoi. Vous allez pouvoir, entre guillemets, Alors c'est vraiment le début, améliorer hein. pas mal de choses, quoi. Ouais, parce que là, on voit, elle est encore en chantier, hein. Donc pareil, au fur et à mesure du jeu, elle sera... Pareil, ça sera ce que vous en ferez. Donc vous pourrez racheter des plateformes, choisir de racheter des dortoirs. Pour accueillir plus d'hommes, etc., etc. Hein, donc, Tu peux changer le logo, genre Diamond Dogs, tu peux mettre un autre truc ou un... Alors, tu peux changer un logo, mais pas celui-là parce que ben il est lié au scénario. Oui, Mais ça je sais, effectivement, je me t'as. doute bien, ouais. Mais ouais, t'as un logo que tu peux personnaliser, donc je sais pas vraiment à quoi il sert. Alors, peut-être que ça sera pour le multijoueur. Alors, est-ce que tu peux faire une bite par exemple? Non, ça Bonne question. va. Ah, c'est bon. Je pense pas. Bonne question. On a retrouvé l'ESCA? Par contre, tu peux. Ouais, non, mais j'attendais hein, en fait avant de reparler. Donc, je sais plus quel membre se plaignait du son. Dis-moi si ça va mieux ou pas. Sinon, pour un Mother Base, on peut la peindre. Hein. Donc, si vous avez envie d'une Mother Base rose, vous pourrez en avoir une, quoi. Tiens, je vais montrer ça tout de suite. Et pour l'histoire de l'assignation auto pour Spike, oui c'est bien, mais par contre si tu alternes pas entre mission secondaire et mission principale, tu vas te retrouver comme moi à un moment du jeu où tu seras bloqué parce que tu as besoin d'un truc en particulier qu'il faut améliorer et tu seras obligé d'attendre que cet objet soit prêt quoi. Donc c'est un peu galère. Mais Ouais. si tu alternes normalement il n'y aura pas de problème. Salut Mais Xcor. si tu te retrouves bloqué, bah tu repasses en assignation manuelle et puis voilà, quoi. Juste le temps de fabriquer l'objet en question. Alors Omerta, on en a parlé il y a quelques minutes avant que tu arrives. Donc oui, c'est possible de le faire. Tu vas pouvoir t'amuser dessus sans problème. Par contre, effectivement, si t'as fait aucun Metal Gear avant, ça va être compliqué pour comprendre tout ce qui s'y passe. Voilà, je peux pas dire mieux, hein, c'est Bon, il est stylé comme ça. Alors Todd, ouais, Peace Walker, effectivement, il n'est pas dispo sur PS4. Ouais, par contre, effectivement, comme dit Cavs, effectivement, c'est sur Vita aussi. Donc, bon. Ah ouais, c'est ouais, ok, c'est complet au niveau map, hein. Ouais, c'est vraiment très grand, très vaste. Et donc en fait t'as un mode libre donc qui te permet de bah, hors mission justement un peu comme dans un RPG de pouvoir te promener. Donc si tu veux récupérer des matériaux, l'équipement, du personnel, des ressources. Ouais. Donc, tu peux voilà faire ça. Donc là je vais lancer ça pour justement ne pas spoiler, lancer notre mission. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut en dire en fait? Allez. Qui mérite son là. LSK,
toute façon, toi, t'es un vendu, t'as mis 20 sur 20, donc on va pas revenir dessus. Bah, hein. Bah, les Doritos Mais en plus, on est les seuls, hein, de toute façon, comme on est un simple site d'amateurs, voilà. Voilà. Mais bon, oui, non, parce que quand on lit pas Metacritic avant, on peut pas savoir que les sites professionnels ont mis 20 sur 20 ou 10 sur 10. Donc après, voilà. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut en dire finalement? Enfin, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu ce soir, franchement, je regrette pas de le prendre vendredi. Donc voilà, j'ai rien de plus parce que j'ai pas joué. Hein, donc voilà. Mais bon, voilà, LSK, tu valides ta note 20 sur 20, c'est obligé. Ah, mais totalement, et totalement assumé, et je l'assumerai tout le temps. Ouais, il est obligé, alors, merci Kojima à dîner chez lui. Ouais, est-ce que le pourquoi c'est parce qu'il revisite complètement le truc? Est-ce que c'est parce que ça révolutionne complètement tout ce qu'on connaissait? Est-ce que. Bon, voilà quoi, c'est les questions qu'on se pose aussi, hein, donc bon. Ça réinvente complètement le genre de l'infiltration. Hideo Kojima a parfaitement réussi le passage en open world alors que c'était risqué. Ouais, le c'est scénario clair. Est tout, même s'il y a moins, beaucoup, beaucoup moins de cinématiques, elle reste mais hyper classe parce que Kojima a pris une. Enfin, ça prend une toute autre dimension, comme je l'ai répété, avec les plans séquences, les ralentis, les effets, enfin, la façon dont la caméra bouge en mode caméra à l'épaule. Donc voilà, c'est une autre dimension qui, pour le coup, est vraiment propre à Metal Gear. Ouais. Voilà, il y a d'autres trucs vis-à-vis de l'histoire que, comme je vous l'ai répété, je peux pas révéler, mais ça joue aussi sur le côté grosse claque. Voilà, quoi, pour toutes ces choses-là, tous ces jeux-là, pardon. Ouais, non, il n'y a pas de photo, quoi. Ça mérite son vin. Ok, bon, bah, au moins, c'est clair. Hein. Donc voilà, on en reparlera. Et hein, je répète dans que pas c'est un vin. C'est pas un vin en mode scolaire, c'est un vin voilà. Pour les sensations. C'est un vin du cœur, quoi. C'est un vin du cœur. Voilà. Voilà. Bon, on en reparlera dans pas longtemps, je pense, sur Jeux Vidéo Live. On vous concocte un petit sujet par rapport à ça. Rennes, par rapport à tout ce que tu as pu voir du jeu jusqu'à maintenant, ton avis? Pour pas froisser les membres et rester poli. J'ai le Mokori, voilà, donc ouais. Parlant bon français, j'ai la trique. Non, moi j'adore, franchement, ouais, je suis fan, mais bon, après je suis pas très objectif, hein, vu que de toute façon c'est un jeu que j'attendais, que je suis fan de la série depuis que j'ai 12 ans, et puis que c'est tout, voilà. Achetez-le, c'est ouais. Bon, c'est du bon. Donc le mode open world, vous validez que c'est pas dérangeant du tout, quoi? Non. Ça se marie bien, non, c'est bien fait, c'est construit, ah ouais. C'est ouais. Surtout un point ultra important parce que beaucoup de monde n'arrête pas de parler de gameplay. Bah là, ouais. Le gameplay, vous pouvez rien dire parce que franchement, c'est. Ouais, parce voilà, que pour le, une le fois que pour une fois qu'il tente autre chose, gameplay, ouais. Ouais, voilà. Mais en plus, il y arrive très bien, quoi. Donc pour un premier coup d'essai, c'est quand même joli, quoi. C'est quand même joli. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître, comme on dit. Voilà, tout à fait. Et pourtant, même en étant fan comme Rainbow de la série, j'étais quand même un des premiers à être sceptique. D'ailleurs, je l'ai souvent rappelé durant les podcasts. Et ouais. Bah, au final, bah, c'est moi qui suis le plus surpris par le jeu. Donc, on va faire un petit coucou à Arwed au passage. Arwed qui considère que Metal Gear est... entre guillemets, tellement cinématographique qu'il faut qu'il soit couloir. Finalement, le côté non couloir, c'est pas si mal que ça, quoi. Ça va être la conclusion du truc, en fait. Voilà, c'est ça, puis, voilà. De toute façon, ça, c'est difficile de contacter tout le monde. Il y en a qui se sont plaints des cinématiques de Metal Gear 4. 5ème GS4, le nombre de gens qui disaient ouais c'est bien tu joues 5 minutes t'as 2 heures de cinématique, bah non pour voilà. Le coup là vous pouvez plus rien donc, dire là voilà vous pouvez plus rien dire, ou alors si vous critiquez ça c'est que de base il y a un autre problème de fond, quoi. Mais ça vient pas du jeu, quoi. Et oui. Alors la question de conclusion,
De Spike 78000 que je salue parce qu'il a été très très présent sur le chat ce soir et comme beaucoup d'autres hein, mais je le retiens parce que c'est lui qui a posé la dernière question. On va peut-être pas forcément pouvoir répondre mais tant pis, je vais la poser quand même. Que va devenir Kojima? Est-ce vraiment la fin de Metal Gear? Alors, la fin de Metal Gear, je pense pas, parce que ça reste une licence juteuse pour Konami, qui va détenir les droits, même après le départ de Kojima. Donc je Ouais. pense qu'ils vont pas se gêner pour nous sortir des spin-offs et des épisodes à tout va, ou même Oh, voir du peut-être des pachinko. remakes, ou... Ouais. après bon, le mec qui va reprendre derrière Kojima, faut qu'il ait quand même l'air insolite, parce que bah, va falloir assurer. Ouais, il passe derrière un grand quand même, hein. Il va passer derrière un grand, hein. Ça c'est Ouais, je pense que c'est acquis pour tout le monde de toute façon, quoi qu'il arrive. Et par rapport au futur de Kojima, ben ce matin on a newsé, bon après c'est une rumeur, mais il y a un site teaser qui a fait son apparition sur la toile, annonçant un jeu qui s'appellerait Blackhound, qui fait penser à Foxhound, et avec la police d'écriture, enfin la fameuse phrase game. Donc à voir, mais Ouais. bon, à prendre vraiment avec des pincettes parce que c'est vrai que ça paraît un peu gros. Ouais, surtout vu la date, hein. Je pense pas Et qu'ils vont arrêter ça voilà. vu la date. Mais Annoncé le 11 parce que la date c'est le 11 septembre. septembre, hein, mais le fameux 11 septembre que tout le monde connaît. Merci Cicaps pour le Donc lien. ça me paraîtrait compliqué. Mais pourquoi pas, hein. Mais comme Kojima n'étant pas un provoque, ça m'attendrait beaucoup qu'il sorte un truc comme ça le 11 septembre. Bon, bref, on verra bien. On Mais verra. voilà, et bah dis donc, on a répondu à tout. LS4, ton avis par rapport à ça, l'avenir de Kojima et de la Bah du licence. coup, bah alors la licence, de toute façon, Kojima étant parti, pour moi, elle est bel et bien finie. Pour Konami, elle n'est pas finie, et en plus, en fait, quand, je crois que c'était peut-être 2 jours après qu'il y ait eu Ouais, ils ont l'appel bien fait du comprendre en révélé. plus qu'ils allaient faire une licence annuelle, hein. Donc bon. Voilà, enfin ouais, quasiment quoi, mais c'est surtout qu'ils ont annoncé clairement qu'ils recrutaient déjà une nouvelle équipe pour faire des Metal Gear. Donc voilà, c'est la fin Oui. d'MGS, Metal Gear Solid, mais pas de Metal Gear. Et Après, personnellement. Oh, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y, termine ta Non, phrase. après pour Kojima, bah j'en sais rien. De toute façon, il n'y a pas 36 solutions, c'est soit Kickstarter, soit il ouvre son studio, soit il est embauché par un très gros constructeur ou éditeur, Ouais, soit genre il Naughty Dogs, abandonne le jeu par vidéo. exemple, Voilà, histoire d'avoir déjà le studio Non, qui je est te plus vois, non, tout le mais je lis monde. aussi hein, ce qui se passe hein, sur JVL. Hein, non, mais oui, j'ai bien lu ton commentaire. Donc Mais voilà, il n'y a pas 36 voilà. solutions, à part s'il change de média et qu'il va au cinéma par exemple ou autre. Voilà. Ouais, s'il change de médium, ça sera cinéma, je pense. Ah bah oui, je pense aussi. Mais il a encore trop de choses à raconter dans les jeux vidéo, je pense. Donc, C'est vrai. je... Ouais. plus tard, je pense. Ren, tu voulais dire quoi, du coup? Ouais, je disais, enfin, je pense que si Konami veulent encore faire un peu de fric avec la licence en grattant un peu au niveau des fans, parce que bon, beaucoup de fans vont suivre Kojima hein, et vont faire un fuck à Konami du fait de son départ. Je pense que, on va dire, l'idéal entre guillemets serait de faire un remake de Metal Gear 1 et Metal Gear 2 qui était sorti sur MSX, parce qu'ils ont vraiment la base, hein, Il pourra plus le faire. ils ont les plans, ils ont le scénario, ils, voilà. Donc, on va Mais dire je que le crois qu'il y a des travail fans en est. plus, hein, qu'on Et il il y y a des avait. fans qui avaient refait un peu les épisodes. Ouais. Il y avait des fans qui avaient Ouais. commencé justement à faire le remake en 3D bah du premier Metal Gear, et Konami a justement demandé à ce que ce projet soit annulé. Donc, est-ce que ça pourrait se faire? Moi, je sais Ouais. qu'honnêtement, en tant que fan, je sais qu'un remake comme ça, je craquerais forcément. Ah Mais bah moi aussi. Ouais, moi après, aussi. bon. Pour tout ce qui est spin-off et tout, après par contre, sans Kojima, ce sera pas la même. Voilà. Ouais, moi les MG, je les ai fait sur MSX à l'époque. Pour te dire, hein, ça date, hein. Hein, c'est des grosses cassettes, enfin c'était ouais, voilà, un truc complètement obscur que les jeunes de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais voilà. Donc je salue Dilettante qui vient nous rejoindre Et qui était là sur la dans un live fin. précédent, de mémoire. Oui. Donc Donc salut à je toi, le salue. bienvenue. Voilà, bienvenue, hein, Marie, que tu viens sur la fin, désolé pour toi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Eh ben moi écoutez, j'ai envie de la boucler.
Je vais vous laisser finir et j'irai en voir après. Donc voilà, dites ce que vous pensez. Dites, je vais rajouter juste, avant que vous parliez, je rajoute juste que dans un mois, on vous fera un autre Twitch sur Metal Gear Online 4, c'est ça, hein, si je me trompe pas. Quelque chose comme ça. Oui, je crois, hein, de souvenir. Et voilà, et qu'on espère vous voir nombreux et nombreuses. Et oui, je suis vieux aussi, Kaz. Oui, je suis vieux et je l'assume et je te merde. mais bon, voilà quoi. Donc, je vais laisser mes deux camarades qui sont plus calés que moi dans Metal Gear Solid ou même Metal Gear tout court d'ailleurs, puisqu'on vient d'en parler à l'instant, faire leur phrase de conclusion. Et puis après, on fera des bisous quoi. Allez, à vous les mecs. Pour conclure, je dirais Captain White in her. Bah oui. Quelque waiting, hein. Voilà. La fameuse. C'est obligé. Non, franchement, voilà. Et si vous hésitez sur le jeu, c'est une valeur sûre, vous pouvez le prendre, c'est un incontournable. Bon, après, c'est sûr que le top, c'est d'avoir fait au moins Snake Eater. Et dans la mesure du possible, Peace Walker. Ouais. Voilà, bon après sinon, comme on disait, hein, un parfait nouveau dans la série peut trouver son compte, mais ne pigera peut-être pas, enfin c'est même sûr, pigera pas, ouais, pas forcément tout, quoi. Tous les tenants, les aboutissants. Moi je vois, ben, j'ai initié personnellement ma femme au jeu vidéo il y a pas très longtemps, parce qu'avant elle était assez réfractaire. J'ai mis le jeu hier, ouais, avec elle, elle a regardé, elle m'a dit putain c'est génial, c'est vachement bien fait, c'est beau, c'est bien scénarisé et tout. Mais donc, par contre, fait, je comprends rien. Elle a super bien compris Flower, par exemple. Mais Metal Gear, elle a rien compris du tout, quoi. Ah, elle m'a dit, c'est bon, excellent, voilà, comme jeu et tout, mais je comprends rien à ce qu'il raconte et tout. Donc, voilà, ah, ça veut tout dire. C'est vachement abouti, hein. C'est super abouti, hein. Puis t'as des références. Donc voilà, donc achetez-le, n'hésitez pas. Et puis, de toute façon, c'est le dernier de Kojima, donc foncez. Hein. Voilà. Ouais, voilà, ouais. Ouais, on peut dire ça, hein. Franchement, je pense que là. Ah, c'est bien Todd, je suis content que t'aies joué sur les épisodes MSX. C'est cool. Moi j'avais quoi, 13 ou 14 ans à l'époque, moi. J'avais même pas acheté ma Mega Drive à l'époque. Pas encore. Donc ça date, hein. Je crois que j'ai ma Mega Drive à 15 ou 16 ans. Donc ouais, j'avais pas encore. C'était chez un pote qui avait le MSX. C'était incroyable. Mais bon, voilà. LSK, j'ai testé conclure. Ouais, je sais pas, du coup, je pense qu'on a fait le tour, hein. Il faut y jouer absolument pour les fans de Metal Gear. Je le conseille toujours pas à ceux qui ont fait qui n'ont pas fait les autres Metal Gear, pardon. Et surtout, jouez-y à fond, sans en dire plus, mais investissez-vous et lâchez pas l'affaire. Non, mais laisse-le, si tu peux le dire. Hein. De quoi? Pour la deuxième machin. Bah je vous dis à fond, oui, tu peux y aller, ouais. C'est bon. Ouais, au pire. Parce que vous avez dû lire qu'il y a une deuxième fin. Donc voilà. La moitié du jeu, vous verrez une première fin avec un premier générique. Et après, vous aurez d'autres nouvelles missions et des missions que vous avez déjà faites, que vous referez dans des niveaux de difficulté tout autres. Par exemple, une mission où vous aurez aucun équipement, même pas de fin. Vous aurez des vêtements, mais c'est un vêtement basique. Et vous devrez vous en sortir. Et ça vous permettra de débloquer des missions inédites de l'histoire principale. Et arrivé à la mission, c'est 46, je crois. C'est retenu, on peut... voilà, non mais c'est bon. Vous débloquerez la deuxième fin finale. Voilà. Et allez jusqu'au bout, parce que ça change absolument tout. Et votre perception sur l'histoire, ça change tout. GTA, tu comprendras par rapport à ce qu'on explique. C'est-à-dire que tu fais le jeu, tu arrives à la fin, tu laisses continuer le générique et bam, voilà, tu tombes sur autre chose et il faut que tu fasses en sorte
refinir entre guillemets le jeu, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est ça. Vu que tu refais des missions que tu as déjà faites, mais dans un autre contexte, comme vient de l'expliquer très très bien Deska. Et donc tu as droit à cette deuxième fin qui apparemment chamboule tout. Un peu comme les choses qu'on a dans les kermesses de maternelle, quoi. Mais c'est mais voilà quoi. Donc apparemment faut l'avoir celle-là. Hein. Je pense qu'elle est, elle est obligatoire. Voilà, je dis rien de plus. Je ne sais pas ce qui s'y passe parce qu'on me l'a pas dit et je suis pas au courant de tout ce qui s'y passe. Mais apparemment faut l'avoir parce que ça, comme disait LSK il y a quelques secondes, ça boucle l'histoire. Voilà. On vous dira rien de Voilà. plus. Non, non. De faire les missions en difficile. Est-ce qu'on est obligé de faire des missions, les missions en difficile? Ouais. En fait, c'est imposé, donc t'as vraiment pas le choix. T'as vraiment pas le choix, t'es obligé de les refaire. Après, pour vous rassurer, vous n'êtes pas obligé de les faire exactement comme ça vous est demandé. Vous pouvez quand même passer à la bourre. Par exemple, c'était pour furtivité totale, je crois. Ouais. Bon, moi, comme j'étais coincé par le temps, j'ai joué en mode bourrin en appelant un appui aérien, un appui de feu en fait. Et j'ai fait des bombardements sur les gardes pour atteindre mon objectif plus rapidement. Donc, si vraiment vous galérez, vous pouvez faire comme ça. Ouais. Mais essayez quand même de jouer le jeu parce que vous êtes chez Il y a vous, vous l'option avez du bourrin, quoi. temps. Ouais. Voilà, c'est plus gratifiant et voilà. Mais franchement, ça passe, il n'y a rien de difficile, surtout quand vous avez la technique. Voilà. Après, c'est sûr, vous allez sûrement recommencer de nombreuses fois et pester contre ça, mais ça vaut le coup de s'investir. Voilà. Voilà, donc là tout est dit. Je salue Len57. Simplement parce que Lane, ça me fait penser à Serial Experiment Lane. Donc, je sais pas si ça vient de là, mais si ça vient de là, bah, je te salue parce que c'est un anime que j'aime beaucoup, étant donné qu'il est vachement inspiré de David Lynch. Donc voilà, moi qui suis un gros fan de David Lynch, voilà. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On espère ne pas vous avoir spoilé parce que évidemment c'était un peu notre crainte parce que dans ces jeux-là c'est un peu difficile. On a beau essayer de faire attention, il y a toujours un moment où peut-être on s'en aperçoit pas ou on perçoit pas qu'on vous spoil. Donc j'espère qu'on l'a pas fait. Si c'est le cas, on s'en excuse profondément et énormément. Je vais remercier Ren qui a été encore un esthète à la manette Oula. et je remercie LSK pour tout ce qu'il a pu nous dire. Ils ont mis 7 sur 10 Gamekult? Ah bah j'irai voir après. Merci GTA pour l'info. Et puis voilà quoi, je remercie encore LSK de tout ce qu'il a pu nous dire ce soir. Il l'a fait sans spoiler. Je reviens un peu sur Oui. le discours parce que du coup je me suis perdu, hein, je suis désolé. Et voilà quoi, parce qu'il en a dit pas mal. Ren, encore une fois, toujours très intéressant de t'entendre. Merci. Donc voilà, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions, j'espère qu'on vous a gâté, j'espère qu'on vous a fourni et que vous nous suivrez dans un mois pour Metal Gear Online comme on l'annonçait tout à l'heure et je le redis encore. Et puis on vous fait des gros bisous et ben toujours un plaisir de vous lire sur P3 Live, Je jeu vais vidéo de live. live. Allez, des gros bisous à tous et à toutes, et à très 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 bientôt sur Jeux Vidéo Live. Bye! Ciao, bye. Ciao.